fait ça, Sophie? Non, mais on va la défendre. Oh, tu peux te vanter d'être mon ami. Et si j'étais davantage son genre à cet homme? Madame se prend pour Vénus. Oh, je me prends. Je suis. Eh ben, t'es pas fière. Oh, les hommes, tu les connais. Ils ont leurs idées. Tout ce que je connais, c'est l'honnêteté. Et le nom me souffle un client sous le nez. Ça n'est pas honnête. Je te le dis comme je le pense. On était assis, lui et moi, causés. On était d'accord. Et puis, tu t'amènes. Oh, laisse, je te demande pardon. Je ne savais pas que vous en étiez là. En tout cas, tu n'as rien à regretter. Bien sûr. Un homme a bien beau pouvoir. Et gros, donc généreux. Celui-là était gros, mais pas généreux. Pas généreux du tout. Et veuf, pas sur le marché. Les veufs, tu les connais. Il n'y a pas pire client. Quand ils ont fini, ils se mettent à pleurer, leur défunte. Alors, c'est dit. Viens faire un tour. On va dire bonjour aux habitudes. Les autres ne quittent pas leur place devant les trapézistes. Ils sont tous à le regarder de la bouche ouverte. Ils attendent qu'il tombe. Que voulez-vous boire, monsieur? Bon, prenez un verre, patron. Non, merci. Il faut que je rejoigne ma femme et ma fille. Elles sont au théâtre français où l'on donne des choses plus habillées qu'ici, mais plus ennuyeuses aussi. Eh bien, vous leur présenterez mes devoirs. Pardon, monsieur. Vous êtes bien monsieur Walter, le directeur de la vie française? Oui, c'est ça. Et vous, lorsque vous aurez demandé à Rival, notre grand critique, ce qu'il pense du spectacle, vous relirez soigneusement l'article de Saint-Potin. L'article de Saint-Potin, enfin, monsieur Walter. Il y avait des taches de vermouth sur sa copie. S'il se met à écrire ses reportages dans les cafés, il faut les relire attentivement. Bien, patron. Bonjour, vous deux. Lequel de ces bons messieurs viendra chez moi pour deux louis? Vous perdez votre temps, mes belles. Deux louis, c'est dont elle ne doute de rien. Moi, j'ai commencé ma fortune avec moins que ça. Alors, offrez un petit verre pour la rosée. Si j'offrais à boire au catin, je ne la conserverai pas longtemps. Goujat. Goujat. Dites donc, Forestier, j'ai vu un bloqué à vendre, vous qui collectionnez tout en bois des îles. Il aurait appartenu à un grand d'Espagne. On en demande 60 francs, ce n'est pas cher. Oh, s'il est beau, je le prendrai. On n'a jamais trop de bilboquets. Bon, ce n'est pas tout ça, il faut que je file aux Français. Soyez sages, hein. Deux louis. Pour ce prix-là, on aurait une reine avec son pédigré. À demain, au journal. Monsieur est attendu. Monsieur n'est pas familier. Pardon? Oh, tu es beau garçon, tu sais. Si tu veux de moi, pour deux louis. Je dis pas non. De combien sommes-nous? En voilà une question. Je ne sais pas. Attends voir. Le 28 juin. C'est ça, le 28 juin. Et il ne me reste en poche que 3 francs 40 pour finir le mois. Oh, Chou blanc, tu fais dans le gigolo? C'est le jour à courir les coquetelles. 3 francs 40 exactement. Ce qui représente 2 déjeuners sans dîner. Ou 2 dîners sans déjeuner, au choix. Plus 2 bocs de bonnie. Mais comme il fait chaud, je les boirai seuls. C'est toujours les bons garçons qui ont son sans argent. C'est pas demain que tu feras fortune, toi. Dommage. Alors, on est tout seul, tout triste. Il t'a laissé ton goujot de copain? Ouais, et j'aimerais bien que t'en fasses autant. Je boirais bien une petite grenadine. Oh, ben, te gêne pas pour moi. Forestier! Hé, Forestier! Monsieur? Tu ne me reconnais pas? Ah non. Georges Duroy, du 6ème du Sard. Duroy! Oh mon dieu! Comment tu vas? Mais très bien, et toi? Oh, moi ça va pas fort, t'sais. J'ai une poitrine en papier mâché depuis maintenant. Et excuse-moi, mais je tousse comme ça 6 mois sur 12. Suite à une bronchite que j'ai attrapée à Bougival. Bah, l'année de mon retour à Paris. Ça fait déjà. Oh. 4 ans, non? Eh oui, déjà 4 ans. Bah, tu as l'air solide pourtant. Oh, ce n'est pas l'avis des médecins que j'ai consulté.
Il m'ordonne d'aller vivre dans le Midi, tu te rends compte? Tout bêtement dans le Midi. Ah, bien sûr. C'est cher. Oui, il y a de ça. Mais surtout, mon petit, je suis marié. Et j'ai une fameuse situation dans le journalisme. Alors, ma femme, à la rigueur, je pourrais l'amener, mais ma situation... Le journalisme? Oui, je dirige la politique de la vie française. Pardon, monsieur, vous êtes bien monsieur Forestier, de la vie française, et vous travaillez avec monsieur Walter? Oui, et alors, de quoi je me mêle? Ah, c'est magnifique. Et c'est vrai que tu as changé. Changé? Ouais. Mais enfin, tu as... Enfin, tu es... Tu as de l'allure, une tenue, un costume d'homme posé, et un ventre d'homme qui te vient. Eh, c'est du papa. Bah, je crève de faim, mon vieux, tout simplement. Une fois mon temps fini, j'ai voulu venir ici pour faire fortune, ou tout simplement pour vivre à Paris. En Afrique, c'était ça mon mirage. Et voilà 6 mois que je suis employé de bureau au chemin de fer du Nord à 1500 francs par an. Alors, tu comprends le mirage? Oui, quoi, oui. C'est pas gras. Ah non, ce n'est pas gras. Mais comment veux-tu que je m'en tire? Je suis seul, je ne connais personne, je ne peux me recommander à personne. Ah, ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais les moyens. Oh! Oh! Faut-il que nous sortions? Non, non, j'ai rendez-vous dans la loge du rival, le critique. Oh! Oh! En attendant, prenez-moi un boc. Ah, vois-tu, ici, tout est question d'aplomb. Hein? À Paris, un homme un peu intelligent devient plus facilement ministre que chef de bureau. Il faut s'imposer et non quémander. Ah, mais comment diable n'as-tu pas trouvé mieux qu'une place de gratte-papier au Nord? J'ai cherché partout. Rien. Enfin, j'ai tout de même quelque chose en vue. Intéressant. On m'offre d'entrer comme écuyer au manège pèlerin. Là, j'aurai au bas mot dans les 3000. Oh, ne fais pas ça. Pourquoi? Ce serait stupide. Stupide? Mais quand tu devrais y gagner 10 000 francs dans ton manège, il faudrait refuser. Pourquoi? Quand tu auras donné des leçons d'équitation aux hommes du monde ou à leurs filles, ils ne pourront plus jamais s'accoutumer à te considérer comme leur égal. Alors? Es-tu bachelier? Non, j'ai échoué 2 fois. Bah, idiot, quelle différence? Donc t'as poussé tes études jusqu'au bout. Bon, si on te parle de Cicéron, tu sais à peu près qui c'est? Oui, à peu près. Eh bien, personne ne t'en demandera davantage, parce qu'à Paris, personne n'en sait davantage. À part une 20aine d'imbéciles qui ne se tireront jamais d'affaire. Et si tu essayais du journalisme? Du journalisme? Ah, mais je n'ai jamais rien écrit. Et alors, on commence. Et si tous les journalistes devaient savoir écrire... Non, je pourrais t'employer à aller me chercher des informations, me faire des démarches, des visites. Au début, tu aurais 250 francs et tes voitures payées. Veux-tu que j'en parle à mon directeur? Non, mais certainement que je veux bien. Bon, fais une chose. Viens de m'asseoir chez moi, nous serons en petit comité, il y aura là le patron. Hein, nous tâcherons d'arranger cela. Ah, tu es vraiment gentil. Alors, c'est dit? Et c'est que... C'est que quoi? Tu vas pas jouer au petit jeune homme timide, non? Ah, c'est que je n'ai pas de tenue convenable. Tu vois, toute ma garde-robe est là. Aïe, diable. Alors, tu n'as pas d'habit? Non. Pourtant une chose indispensable. Hein. Vois-tu, à Paris, il vaudrait mieux ne pas avoir de lit que pas d'habit. Ah. Tiens. Ah non, par exemple. Oh, tu me les rendras quand tu pourras. Loue ou achète au moins, en donnant un acompte, un habit convenable. Vous m'offrez quelque chose, monsieur? Oh oui. Un verre d'eau à la fontaine. Pardon, mufle. Ah, tu vois, ça c'est bon signe. Il n'y a que les hommes du monde que les catins traitent de mufles. Bon alors, à demain soir. Ouais. Ouais. J'habite 17 rue Fontaine. Hein. Ouais, tu es vraiment trop gentil, merci. Oui, oui. Crois bien que je... Oui, bon, laisse. Allez, faut que je me sauve, hein. Oh, dis donc. Tu sais que tu dois avoir du succès auprès des femmes, toi, mon cochon, hein. Ah, il faudra soigner ça. Ça peut te mener loin. C'est encore par elle qu'on arrive le plus vite. De lui. Oh. Comment t'appelles-tu? Rachel. Ah, Rachel. Oh. Tu viendras chez moi pour un louis? Oh, je viendrai même pour rien si j'aime écouter. Tu as une petite gueule, toi. Thank you.
lendemain, bien entendu, Duroy se rendit chez son ami Forestier. Il portait un habit pour la première fois de sa vie. Et l'ensemble de sa toilette l'inquiétait. Il la sentait défectueuse en tout. Par les bottines non vernies, fines cependant, car il avait la coquetterie du pied. Par la chemise à 4,50 francs achetée le matin même au Louvre, et dont le plastron trop mince se cassait déjà. Seul, l'habit n'allait pas mal, s'étant trouvé à peu près juste pour la taille. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Ils étaient si près l'un de l'autre que Duroy fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait. C'était lui-même, reflété par une haute glace en pied qui formait sur le palier du premier une longue perspective de galerie. Mais voilà qu'en s'apercevant brusquement dans la glace, il ne s'était même pas reconnu. Il s'était pris pour un autre, pour un homme du monde, qu'il avait trouvé fort bien et fort chic au premier coup d'œil. Et maintenant, en se regardant avec soin, il reconnaissait que vraiment l'ensemble était satisfaisant. Un élan de joie le fit tressaillir, tant il se jugea mieux qu'il n'aurait cru. Alors, il s'étudia, comme le font les acteurs pour apprendre leur rôle. Il se sourit, se tendit la main, fit des gestes, exprima des émotions, l'étonnement, le plaisir, l'approbation, et il chercha les degrés du sourire et les intentions pour se montrer galant auprès des dames, leur faire comprendre qu'on les admire et qu'on les désire. Une porte s'ouvrit brusquement dans l'escalier. Il eut peur d'être surpris, minaudant ainsi par quelque invité de son ami. Ah, toujours ces carcans d'hommes du monde. Je suis un peu inquiète, tu sais. Hein, à cause de mon ami du roi. Eh non, tu verras, c'est un beau gosse. S'il n'est jamais sorti, il va se montrer emprunté. Eh bien alors, il faut aller bientôt. Tout de même, j'aurais pu l'inviter un soir, nous n'aurions eu personne. Mais c'est justement pour qu'il voie du monde et qu'il se fasse voir que je lui ai demandé de venir ce soir. Ne te fais pas de soucis pour lui, il a une certaine allure. Il plaît, c'est énorme ça. Et ça compense les bonnes manières, quelquefois. D'où sort-il ce garçon? De sa campagne. Oh, charmant. Enfin, Madeleine, à Paris, tout le monde sort de sa campagne. Enfin, espérons qu'il laissera ses sabots à la porte. Mais oui. Et puis, tu sais, Walter et La Roche-Mathieu ne sont pas chefs de protocole. Eux aussi ont conservé du fumier à leur semelle, là. Je pense aux dames. Oh, pour les dames, fais confiance à Duroy. C'était le coq du régime. Mais nous ne sommes pas dans une maison à soldats, Charles. Baste! Un garçon qui séduit les catins séduit également les jolies dames. Bravo. Hein? Oh, mais ne fronce pas les sourcils, je plaisante. Oh là là. On peut avoir raison tout en plaisantant, non? Hein? Ah, voyons, où est mon habit? Pardon, madame. Je suis Georges... Je le sais, monsieur. Charles m'a raconté votre rencontre d'hier soir. Et je suis heureuse qu'il ait eu l'idée de vous inviter. Oui? Oui. Je suis très honorée, madame. Vous êtes depuis longtemps à Paris? Depuis quelques mois seulement. J'ai un emploi dans les chemins de fer, mais Forestier m'a laissé espérer que je pourrais, grâce à lui, pénétrer dans le journalisme. Il me l'a dit, oui. Pourquoi pas? Ah, salut toi. Fais voir. Parfait. Il a de l'allure, le bougre, hein? Une vraie gravure de mode. Ah, tiens-toi bien, Georges. Ce soir, tu fais ton entrée dans le monde. Oh, attention, le défilé commence. Là, c'est M. Valguin, le patron.
journaliste, financier, homme d'affaires de tous les affaires, des siennes et de celles du pays. Esprit sceptique, mais grave. Ah, Madame Walter, épouse irréprochable. Dans le ménage, c'est elle la vertu. Suzanne Walter, leur fille. Oh, c'est une oie blanche. Elle est jolie, elle est gentille. Et elle est à plumer car elle sera riche. J'y vais. Et voici Monsieur Laroche-Mathieu, un des ardents supporters du journal de Walter. Ses électeurs ont fait de lui un député. Il espère bien que la vie française fera de lui un ministre. Madame de Marelle, elle est drôle et charmante. Son mari est inspecteur sur la ligne du Nord. Il ne passe que 8 jours par mois à Paris. Clotilde appelle ça sa semaine sainte. Excusez-moi. Monsieur Georges Duroy, un bon camarade de Charles. Madame de Marelle, mon amie, un peu ma parente. Vous savez, nous sommes ici sans cérémonie, sans façon. Bavardez. C'est la première fois que vous venez ici, monsieur? Oui. Madame Forestier est charmante, n'est-ce pas? Ah, Madeleine, c'est un amour. Et quelle femme vous êtes, si vous la connaissiez? Elle possède une grâce particulière. Un de ses visages dont chaque ligne semble avoir une signification. Dont chaque mouvement paraît dire ou cacher quelque chose. Eh bien vous? Pardon. Si vous parlez aux femmes comme vous parlez d'elles, vous devez avoir un fameux succès. Non, non, mon cher, mon heure n'est pas encore venue. Croyez-moi, demain, le gouvernement a ses voix. Et que pense-t-on des événements d'Algérie à la Chambre? Ma foi... Oui, je sais, à la Chambre on ne pense pas beaucoup, mais du moins on parle. C'est que l'affaire est sérieuse. Il s'agit d'instituer un gouvernement militaire. Voulez-vous parler, monsieur Duroy, qu'il est encore question de l'Algérie? Vous connaissez l'Afrique, mon frère? C'est un pays qui nous donne bien du souci. Oh, tous les pays conquis donnent du souci. Et qu'en penses-tu, toi qui as séjourné plus longtemps que nous? Eh bien, à mon avis, l'Algérie, c'est une grande misère ensoleillée. On ne sait qui du sol ou de l'homme est le plus pauvre. Ni l'un ni l'autre ne se lève. On fera peut-être céder le sol, mais pas l'arabe. Ah, monsieur le député, vous vous préparez là-bas bien des tourments. Croyez-moi, l'abbé Maison est un saint homme. Un peu trop saint. Quant à l'homme, je le trouve terriblement rigoriste. Voici ces dames en prise avec le confesseur. Ah, j'en vis ce brave abbé. Passer sa vie à entendre tant de jeunes péchés, c'est bien tentant. Monsieur Laroche-Mathieu, on devrait vous excommunier. Oh. Vous intéresse, monsieur? Beaucoup. J'y suis resté plusieurs années et j'ai séjourné dans les trois provinces. Et j'ai vu ces régions désertiques où chaque goutte d'eau vaut une pièce d'or, où chaque habitant est tenu à tous les services publics, où la probité commerciale est poussée plus loin que chez les peuples civilisés. J'ai été conquis par ces coquines, jeunes et nues, interminablement désolées sous le soleil dévorant. Et les femmes, monsieur Duroy, vous ont-elles conquis? Sous tous les yeux, les femmes sont des femmes. Et par conséquent, conquiert les hommes, madame. Eh bien, voilà un garçon qui n'oublie pas les dames dans ses prières. Hein, Forestier? Je vous ai parlé de lui tantôt. Je vous ai demandé de me l'adjoindre au service des informations politiques. Vous vous souvenez? S'il veut bien venir causer avec moi demain après-midi. J'en serais ravi. Et même, je pense, si vous avez l'étoffe d'un vrai journaliste, il y a la place au Bois-Renard à prendre. Les échos? Oui, il vieillit, Bois-Renard. Et puis, il manque de chic. Madame, il était secrétaire de rédaction dans 10 ou 12 journaux différents. Oh, il est passé d'un journal à l'autre, comme on change de restaurant. Sans s'apercevoir que la cuisine n'a pas tout à fait le même goût. Ah, les échos, c'est la base d'un journal. Qu'en pensez-vous, monsieur Duroy? J'admire votre définition, monsieur. Il me semble en effet que c'est par les échos qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir le bruit, qu'on agisse sur le public et sur la bourse. Ah, ça doit être passionnant de savoir lancer, glisser, sans en avoir l'air, la chose importante. Plutôt insinuer que dite. Laisser deviner ce qu'on veut par des sous-entendus et démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme ou affirmer de telle manière que personne n'y croit. Et faites-nous tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Vous raconterez vos souvenirs et mêlerez ça à la question de la colonisation, comme tout à l'heure. Et là, c'est d'actualité, tout à fait d'actualité. Eh bien, et te voilà chroniqueur avant d'avoir mis le pied au journal. Je propose un titre charmant. Souvenir d'un chasseur d'Afrique. Excellent, en effet. Merci de l'idée. Excellent. À condition que la suite soit dans la note. C'est là la grande difficulté. Ce que l'on musique, on appelle le ton. Pour le ton, fais-moi confiance, mon vieux. Il y sera. Fais-moi confiance. Décidément, le ton est beaucoup trop sérieux ce soir.
Qui de ces messieurs ferait une partie avec moi? Moi, avec joie, madame, si vous voulez bien. Vous jouez, monsieur Duroy? Non, je regrette. Vous avez tort. Nous vivons dans une société où l'on doit connaître tous les jeux et gagner sa vie en la jouant. Venez, forestier! Nous allons donner une chance et deux forestiers. Le jeu, c'est qu'on a l'air de la vie. Où allez-vous, monsieur le nouveau journaliste? Qui croyez-vous qu'on élira demain à l'Académie? Mon Dieu, madame! On dit que monsieur Linné a des chances. Hein? Vraiment? Il sera battu par monsieur Cabanon-Lebas, l'adaptateur en vers français de Don Quichotte. Il paraît que ce sera joué à l'Odéon l'hiver prochain. Vraiment? Alors j'irai voir cette tentative littéraire. Vous devriez déjà connaître les résultats de l'élection. Un vrai journaliste doit tout savoir à l'avance. C'est que, madame, je ne suis pas encore un vrai journaliste. Et puis, dans cette question d'élection académique, voyez-vous, mesdames, je n'envisagerai pas le mérite toujours contestable des candidats. Mais leur âge, mesdames. Leur âge. Et leur santé, oui. Pour moi, une bonne albuminurie, une bonne hypertrophie et surtout, un bon commencement d'ataxie locomotrice vaudrait 100 fois mieux que 40 volumes de digressions sur l'idée de patrie dans la poésie barbaresque. Pourquoi donc? Parce que je n'envisage que le plaisir qu'une chose peut causer aux dames. Or, mesdames, l'Académie n'a d'intérêt pour vous que lorsqu'un académicien meurt. Oh, c'est épouvantable ce que vous dites. Plus il en meurt et plus vous devez être heureuse, car vous jouez à qui va le remplacer. C'est le jeu de la mort et des 40 vieillards. Pour que ce soit drôle, il faut qu'ils meurent vite, les académiciens. Et pour qu'ils meurent vite, il faut les nommer vieux et malades. Il est extraordinaire, votre ami. Il me plaît. Je suis fou de vos boucles. C'est une idée à moi. Elles sont belles. Vos oreilles leur vont si bien. Me permettrez-vous de vous raccompagner? Je vous le permets, et j'ai à côté. Alors nous marcherons lentement. Chérie, cette soirée a été merveilleuse. Merci, madame, pour cette excellente soirée. Mais c'est nous qui vous remercions, monsieur Duroy. Vous nous avez fait passer à tous un très bon moment, n'est-ce pas, Charles? Excellent. Au revoir. Au fait, à demain, au journal. Oh. Alors, que penses-tu de lui? De Duroy? Parbleu! Toute la soirée, je l'ai regardé. Je l'ai écouté. Comme tout le monde du reste. Ah, ça? Et toute la soirée, j'ai pensé, toi, mon bonhomme, tu iras loin. Car il ira loin, tu sais. Hein, tu crois? Bien sûr, je le crois. Et tu le crois aussi. Et tous ceux qui étaient là ce soir le croient. Bah, c'est surtout un beau parleur. Hein. Et j'ai l'impression que mon intervention dans sa petite vie médiocre lui tourne un peu la tête. C'est possible. Il n'était que de le regarder tout à l'heure. T'as vu comme il était surexcité, voire excité tout court, par les femmes, l'alcool. Ah. Faut dire que vous le mangiez toutes des yeux. Oh, ces soirées m'épuisent. Tu devrais te reposer. Ouh, toi tu vas encore me parler du midi, hein. Ah, évidemment, si j'étais raisonnable. Mais avec cette question des colonies, le gouvernement va peut-être sauter d'un jour à l'autre. Soit dit entre nous, je ne vois pas la vie française sans moi en période de crise. Oui, enfin, sans nous, si je ne dirigeais pas la partie. Si nous ne dirigions pas la partie politique. Pourquoi le vieux n'est pas venu ce soir? Le vieux? Quel vieux? Ben, le comte de Vaudrec. Bon, enfin, surveille un peu tes expressions, Charles, veux-tu? J'ai reçu de lui un petit mot me disant qu'il avait la goutte. Eh oui, écoute. Tu disais? Moi, rien, je disais, ah oui, la goutte. Bah, tu parlais entre tes dents. Mais non. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? C'est parce que j'ai appelé Vaudrec le vieux. Oh, je t'en prie. Pardonnez-moi. Hein? Bah, qu'est-ce que tu fais là? T'as oublié quelque chose? Je m'excuse de vous déranger. Vous êtes souffrant? Non. Charles. C'est au sujet de cet article que M. Walter m'a commandé pour demain. Mmh. Tu sais, sur l'Algérie, je crois bien que je suis incapable de l'écrire. Voyez-vous. Charles connaît ça. Oui, ça doit arriver à tout le monde en commençant. Alors je venais te demander un coup de main. En 10 minutes, tu me mettrais ça sur pied, tu,
Tu me montrerais la tournure qu'il faut prendre. Bref, ce serait pour moi une bonne leçon de style. Eh ben toi, à cette heure-ci, je croyais que t'avais déjà le ton de ton article. Tout est montré si gentil, si chic que j'avais pensé... Ah non, ne faites pas cette moue d'enfant martyr. Je vais vous arranger votre petite histoire. Et je l'ai dressée à cette besogne. Ah, moi, tu m'excuseras, mais ça ne va pas fort. Et demain, j'ai une journée chargée. Ou sans quoi, je t'aurais aidé. Hein. Je t'en prie. Et merci pour tout. Et je vais passer une soirée. Une soirée. Enfin, la plus belle soirée de ma vie. Oui, oui, bon. Travaillez bien. Repose-toi bien. Oui, à demain, cher confrère. Eh bien, asseyez-vous. Croyez bien, chère madame, que... Ici. Et prenez la plume, car au journal, on connaît mon écriture. Nous allons tourner un article, mais un article à succès. Ça va être charmant de collaborer. Je suis très ému, vous savez. Je ne me hasarderai pas à venir souvent. Pourquoi ? Parce que je vous ai regardé tout au long de cette soirée et que je sens que je suis déjà un peu amoureux de vous et que je ne veux pas le devenir tout à fait. Forestier, mon ami. Oh, vous pouvez venir tout de même. On n'est jamais amoureux de moi très longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est inutile et que je le fais comprendre tout de suite. Mon cher ami, pour moi, un homme amoureux est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot. Pas seulement idiot, mais dangereux. Je ne serai jamais, jamais votre maîtresse, entendez-vous ? Allons, ne faites pas cette tête. Voulez-vous que nous soyons amis ? Bons amis, mais là de vrais amis, sans arrière-pensée. Ah, je suis à vous comme il vous plaira. Ah, si j'avais trouvé une femme comme vous, avec quel bonheur je l'aurais épousée. Vous êtes gentil. Tenez, je vais commencer mon métier d'ami. Allez donc rendre une petite visite à mon amie Clotilde. Son mari voyage, je vous l'ai dit. Et elle s'ennuie. Elle s'ennuie davantage encore lorsqu'il ne voyage pas. Et allez trouver aussi Madame Walter, qui vous apprécie beaucoup. Et plaisez-lui. Vous trouverez à placer par là vos compliments. Vous êtes une bien curieuse femme. C'est entendu ? Alors, cet article ? Je crois que je l'avais un peu oublié. Voyons, qu'allez-vous raconter ? Je ne sais pas, moi, puisque je suis venu vous trouver pour ça. Je voudrais raconter mon voyage depuis le commencement, vous ne trouvez pas ? Si. Vous y êtes ? Écrivez. L'Algérie est un grand pays français sur la frontière des grands pays inconnus qu'on appelle le désert. Le Sahara. Et le lendemain, son article parut. Enfin, en bas d'une colonne, il y avait son nom en gros caractères. Georges Duroy. Enfin, ça y était. Il était journaliste. Mais son bureau des chemins de fer, il s'y rendit le lendemain pour toucher son mois et donner sa démission. Il tressaillait d'avance, de plaisir, à la pensée de la tête que feraient son chef et ses collègues. Dès qu'il fut entré, le sous-chef, M. Potel, l'appela. Ah, c'est vous, monsieur Duroy. Le chef vous a déjà demandé plusieurs fois. Vous savez qu'il n'admet pas qu'on soit malade 2 jours de suite sans attestation du médecin. Duroy répondit d'une voix forte. Je m'en fiche un peu, par exemple. Il y eut, parmi les employés, un mouvement de stupéfaction. Et la tête de monsieur Potel apparut effarée au-dessus du paravent qui l'enfermait comme dans une botte. On entendait voler les mouches. Le sous-chef, enfin, demanda avec hésitation. « Vous, vous avez dit ?»« J'ai dit que je m'en fichais un peu. Je suis entré comme rédacteur à la Vie française pour 500 francs par mois, plus une ligne. » Personne ne bougeait. Alors Duroy déclara « Je vais prévenir M. Pertuis. » Et il sortit pour aller trouver le chef
qui s'écria en l'apercevant. « Oh, vous voilà, vous savez que je ne veux pas !» Du roi lui coupa la parole. « Ce n'est pas la peine de gueuler comme ça. J'en ai assez de votre boutique. J'ai débuté dans le journalisme, monsieur, où on me fait une très belle position. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Pardon, je cherche l'appartement de Monsieur du Roi. Il l'avait trouvé. Ah tiens, j'ignorais que Georges... Mais il me semble vous avoir déjà vu quelque part. C'est ce qu'on dit toujours aux femmes qu'on est certain de ne pas connaître pour y avoir conversation. Ça est le temps. Il fait beau aujourd'hui, mais le ciel est couvert. Mais ne vous gênez pas pour moi. Dites, moi aussi je vous aimais. Vous êtes le type de l'autre fois qui m'a refusé de louis aux folies. Je savais qu'on s'était rencontrés. Dites, à ce que je vois, Georges vous a pas refusé les deux louis? Lui? Oh là là, il prétend qu'un homme ne doit pas parler argent avec une jolie femme. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'ai des faiblesses. Oh, dans ton métier, ma fille, c'est contre-indiqué. Faire l'amour gratis, c'est comme de donner au denier du culte. Hein? Oui, ça encourage la mendicité. Et là, monsieur Ségard. Tu vois, je le disais. Une fille qui marche à l'œil, c'est un tir incommunal. Oh, hein? Il appartient à tout le monde. Hein? Oh, maman? Je suis faible pour Georges seulement. Alors, hein? On ne t'a jamais dit que les amis de nos amis, hein? Oh, attention, voilà mon femme. Tiens, tu es là, toi? Ah bah, t'en as de bonne. Je trouve au journal un mot m'indiquant que tu voulais me parler de toute urgence et t'es tout surpris de me trouver là. Ah, oui. Est-ce que t'es pas si pressé tout de même? Décampe, jeune vierge. Mais... Et le plus rapidement possible, monsieur et moi avons à parler. Ben, je remonte dans ma chambre. Elle est facile, hein? Oui, ça n'est pas une cérébrale. Bon, ben, si ça n'était pas urgent, tu aurais pu me préciser, hein? Je te signale quand même que mon temps... Il est précieux, je sais. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tout! Tout quoi? Ah, oh, t'es solide comme un roc, toi. Tu as décroché la chronique des échos à la vie française. Walter ne jure que par toi. Et tu as, si j'en crois les bonnes langues, une maîtresse qui compte parmi les plus belles femmes de Paris. À part ça, tout va mal. Mais on s'occupe de ma vie privée. Mais est-ce que ça existe, ça, une vie privée, hein? Je veux dire, pour les gens dits de la bonne société. Ta vie privée. Laisse-moi rire. Mais il y a des moments où, malgré tout ton charme, tout ton dynamisme, tu redeviens un paysan de Normand. Tiens, le lendemain du jour où t'as fait la conquête de Clotilde, tout le monde était au courant. Tout le monde, comme tu y vas. Ah, oui, tout le monde, je veux dire, les quelques mains à tes côtiers et chuchoteuses nationales qui à Paris s'appellent tout le monde. Hein, ne jouons pas sur les mots, mais cesse de faire la bête. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu voulais? Une affaire très grave. J'ai une dette d'honneur. De jeu? De jeu. Grosse? 500 francs. Ouh, fiche-toi. À qui dois-tu ça? Mais à monsieur de Charleville. Mmh. Et où habite-t-il, ce monsieur? À rue... Ah, c'est bête, ça, rue... Oui, rue du Cherche-Midi à 14h. Oui, je connais ce monsieur, mon cher. Si t'as besoin de 20 francs, j'ai encore ça à ta disposition. Hein? Mais pas davantage. Tu dois au journal 4 mois de ton traitement, plus 600 francs sur les lignes, plus une multitude de petites dettes. À ce régime-là, tu vas te couler. Les chiffres parlent, pour employer l'expression favorite du père Walter. Mais que dis-je? Ils gueulent! Halte là, belle amie! Quoi?
Ah, tu ne savais pas que ces dames t'avaient surnommé ainsi? Non. Comment dis-tu? Belle amie. C'est charmant. Il y a que les femmes pour trouver ça. Ah, et ça te va si bien. Crois-moi, arrête tes sorties nocturnes avec ta belle. Bon, ceci dit, je te signale que nous avons à Paris un général chinois, le général Li Tengfao, descendu au Continental, et le Raja Ramadeo Pali, descendu au Bristol. Hein, je demande leur opinion sur les menées de l'Angleterre en Extrême-Orient, leurs idées sur son système de colonisation, d'économie. T'as compris? Oui, entendu. Et à propos d'économie, pense à ce que je viens de te dire. J'y penserai, mon révérend. J'y compte bien. Bon, sur ce, je me sauve. Hein. Allez, au revoir. Belle amie. Salaud. Tu m'as fait peur. Allez, sauve-toi. Tu attends quelqu'un? Je n'attends personne. Alors je peux appeler? J'ai du travail. Tu sais, j'ai rêvé deux fois à toi depuis deux jours. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que tu me plais, gros serin. On recommence. Mais tu es obstinée comme une mouche. Je te dis que j'ai du travail et que je veux rester seule, c'est clair, oui? Oh, bon, mais tu n'as pas un petit cadeau. Mais tu vas filer, oui. Non, tu n'es pas gentil, mon rat. Pas gentil du tout. Décidément, ça ne me réussit pas d'avoir des caprices. Mais allez, va. Enfin, je vais descendre plus tard. Oui. Pas, mon amour. Lorsque tu entres quelque part, l'air devient si capiteux que rien ne peut dissimuler ta présence. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pois. Pourquoi? Peut-être parce que tu m'as dit que c'était ton fruit préféré. Ce sont les premières, tu sais. Ah, je t'adore, toi. Alors, raconte-moi les nouvelles. Les dernières? Les ultimes. Bon, je t'aime. Et à part ça? À part ça? Un général chinois au nom ridicule est arrivé à Paris. Ling Tengfao? Oui, et un maharaja a envahi le Bristol. Je suis du reste en train de les interviewer l'un et l'autre en ce moment. Tu ne t'en douterais pas? Pas du tout. Une idée à Forestier. Allez faire la conversation à ces deux nobles seigneurs pour savoir ce qu'ils pensent de l'Angleterre. Tu imagines ça, amour? Mais il faut y aller, George. Où? Au Continental et au Bristol? Sans rire. Alors tu crois comme ça que je vais demander à ce Chinois et à cet Indien ce qu'ils pensent de l'Angleterre? Mais comme si je ne savais pas mieux qu'eux ce qu'ils doivent en penser pour les lecteurs de la vie française. Tu me plais. Embrasse-moi. Tu vas voir comment je les interview, moi, les généraux chinois, chérie. Ah, la Chine! C'est merveilleux! Regarde mes mains, petite. Elles ont faim de toi, de ton corps. Ah, je t'adore, toi. Je me souviens... L'autre jour de notre première rencontre chez Forestier, tu me baisais la main, mais tes yeux me disaient « M'aimez-vous ?» Et les tiens répondaient « Ah, ça ne m'ennuierait pas. » Non, après. Mon amour, fige. C'est tellement mieux, Georges, de passer la soirée en pensant à ce moment où nous tomberons dans les bras l'un de l'autre. À ce moment-là, il faut l'attendre, le mériter, le désirer, minute par minute. Ah, mais pourquoi sortir? On est très bien ici. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai envie d'aller faire un tour, je vois pas en quoi cela peut te fâcher. Ah, cela ne me fâche pas, cela m'embête, voilà. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle ainsi, j'en ai la seule. Oh, pardonne-moi, mon amour, je ne voulais pas te blesser, je... C'est que je suis très nerveux en ce moment, très irritable. Tu sais, j'ai des ennuis, des contrariétés. Des affaires de métier, tu sais. Cela ne me regarde pas, moi. Je n'ai pas envie de supporter le contre-coup de votre mauvaise humeur. Je te défends de que vous voyez. Oh, pardonne-moi, mon amour. Je n'ai pas songé à ce que je disais. M'as-tu pardonné? Là, dis-moi que tu m'as pardonné.
Bon, mais ne recommence pas. Allons faire un tour. Je t'en prie, restons ici. J'aimerais tant te garder pour moi tout seul ce soir. Là, dis oui, je t'en prie, dis oui. Non, je veux sortir et je ne céderai pas à tes caprices. Ce n'est pas un caprice, Clotilde. J'ai une raison très sérieuse. Tu mens laquelle? Tu vois bien que tu mens, sale bête. Clotilde! Il y a que je n'ai pas d'argent. Tu dis? Je dis que je n'ai pas d'argent, comprends-tu? Mais pas 20 sous, pas 10 sous, pas de quoi payer un verre de cassis dans le café où nous entrerons. Tu me forces à confesser des choses honteuses. Alors c'est bien vrai, ça? Mais comment cela t'est-il arrivé, mon pauvre chéri? J'ai dû venir en aide à mon père qui était dans l'embarras. Et non seulement je lui ai donné toutes mes économies, mais je me suis gravement endetté. J'en ai au moins pour 6 mois à crever de faim. Bon, tant pis. Il y a des moments plus graves. Après tout, l'argent ne fait pas le bonheur. Je vais t'en donner. Bon, je t'en prie, ma chérie, ne parlons pas de ça. Tu me blesserais. Un grand idiot, c'est toi qui me blesseras. N'acceptons pas. Je croirais que tu me considères comme une étrangère. Ce qui m'appartient, t'appartient. Ça va te suffire pour aujourd'hui? Écoute, Clotilde, c'est impossible. Oh, veux-tu bien te taire? Clotilde, je ne sais pas si je dois. Tu veux que je les jette, dis? Eh bien, merci. Mais c'est bien pour ne pas te froisser, tu sais. Ah, je t'aime à crier, mon bel ami. Oh, Clotilde, tu es toute ma vie. Allez, viens, sortons maintenant. Moi, j'ai trop envie de rester maintenant. Eh bien, madame, mais ne voyez-vous pas que vous vous trompez de porte? Oh, mais ça, alors! Oh, non, ne te donne pas tant de mal! Alors, c'était ça, ton travail? Hein? Vous laissez, je vous prie! C'était pour elle, hein? Tu es devenu sourd, brusquement. Ou mieux! Ah, peut-être madame t'a mordu la langue! Mais qui vous permet? Qui vous permet? Sortez! Sortez ou je vous fais arrêter! C'est comme ça! Mufle! Lorsqu'on couche avec une femme, on la respecte au moins. C'est pas une raison parce que tu es avec une autre de pas me reconnaître. Et quand je pense que je marchais. Clotilde, ce n'est pas ma faute. Laisse-moi t'expliquer. Oh non, c'est un rêve, nous deux. J'ai connu cette fille autrefois. Ah, un nourrice! Dans les premiers temps, nous étions. Tu es un être infect! Est-ce possible, dis? Est-ce possible? Mon Dieu, mais quelle honte! Quelle honte! C'est pour elle que tu as besoin d'argent? C'est à elle que tu vas remettre celui que je viens de te donner? Petite crapule! Ma Clotilde! Tiens, salaud! Avec mon argent! Prends ça, va! Arrête, Clotilde, arrête! Mais oui! Arrête, Clotilde! Garce! Ben quoi? Je ne pouvais pas savoir. On ferme sa porte à clé quand on est avec une femme, non? Tu as fait du propre. Oh, je venais dans une bonne intention. Et si tu n'avais pas voulu faire les fiers? Mais ça, je te demande pardon, mon roi. Ah. Laisse ça. Elles ont l'air bonnes. C'est elle qui les a apportées. Oui. Je te dis de ne pas toucher à ces poires. Oh, tu vas pas manger tout ça. Tu vas me faire une course. Une course? Oui. Pour ça. Tu vas porter ce panier chez mon patron, Monsieur Walter, 140 boulevard Malesherbes. Boulevard Malesherbes? Comment les noms déjà? Walter, tu lui diras, Georges Duroy prie humblement Madame Walter d'accepter ces quelques fruits qu'on lui a livrés ce matin de sa propriété de Normandie. Vous avez vu Madeleine? Pas encore.
va, monsieur Forestier? Eh bien, la vérité, il ne va plus du tout. Oh, c'est affreux. D'autant plus affreux que la mort lui fait peur. Vous voulez saluer? Oh non, non, non. Moi aussi, j'ai peur de la mort. Donc, naturellement, c'est de votre âge. Ça ne vous effraie pas, vous, un homme qui agonise? Dans ma profession, on craint davantage les vivants, petite fille. Vous restez encore? Mon père devait passer et me ramener en voiture à la maison. Mais je crois bien qu'il m'a oublié. Ce sera sûrement attardé à un conseil d'administration quelconque. Me permettez-vous de vous raccompagner? C'est que maman vous a défendu de monter seule en voiture avec un monsieur qui n'est pas votre parent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et, voyons, il y a monsieur et monsieur. Un député n'est pas un homme ordinaire. Oh oui, sûrement. Vous me trouvez trop vieux pour jouer les chevaliers servants. Je pourrais être votre papa, vous savez. Oui, je sais. Mais je ne suis pas, pas du tout, du tout. Allez, en route, je vous déposerai boulevard Malesherbes avant d'aller à la chambre. Mais il faudrait peut-être que je prenne congé. Laissez, va. Tiens, pour te punir, tu vas me faire une course. Oh, monsieur Laroche-Mathieu, bon, c'est une boutade. À votre âge, une moustache brune tente davantage qu'un mandat de député. C'est ce qu'on appelle l'ordre des choses. L'avez-vous trouvé, cette moustache? Si maman vous entendait où? Je sais, elle me ferait les gros yeux. Oui. Mais Dieu merci, elle ne m'entend pas. Allô, dites-moi tout, comme un vieil ami. J'aimerais tant emporter quelque chose de vous, ne fût-ce qu'un secret. Vous aimez? Oui, mais ne le dites à personne, à personne, c'est promis. Si mon métier me permettait encore d'avoir une parole, je vous la donnerai volontiers. Regardez-moi ça. Un tout petit cœur qui se met tout juste à battre et c'est déjà pour un homme. Je le connais, ce héros ténébreux. Oh! Titré, je suppose. Non, mais c'est un prince charmant tout de même. Voilà qui sort de loin son bel habit. Oh! Oh mon Dieu, je vous en supplie, monsieur Laroche-Mathieu, qu'il n'en sache rien. J'aurais tellement honte. Ah, parce qu'il l'ignore? Bien sûr. Bon, ça vaut mieux pour tout le monde. Je pense pas que votre père soit enthousiasmé par une telle idylle. Pourquoi? Ben, l'ami est très beau, pourtant. Il est beau, mais il est pauvre. La richesse fait pardonner la laideur, mais la beauté ne fait pas pardonner la pauvreté. Vous garderez le secret? Soyez tranquille, ma petite. Le secret, c'est un peu ma partie. Tiens, quand on parle du loup. Bonjour, Bellamy. Vous ne me reconnaissez donc plus? Mais si. Mais je croyais que je n'existais plus pour vous. Que devenez-vous? On ne vous voit plus. C'est que j'ai beaucoup à faire, car M. Walter m'a confié le service de forestier depuis que ce dernier est au lit. Je le sais, mais ce n'est pas une raison pour oublier vos amis. Je ne les oublie pas, Clotilde. Surtout que vous trouvez du temps pour l'été de Madame Walter. Il faut bien faire la cour à la femme du patron, n'est-ce pas? Il paraît que vous lui inspirez une passion, Madame Walter. Vraiment? Ah, je vous l'assure. Elle parle de vous avec un enthousiasme fou, presque insolite. Mais c'est sans importance, hein? Comment ça, c'est sans importance? Madame Walter est une de celles dont on n'a jamais rien murmuré. Vraiment? Tu sais, jamais, ça jamais. Elle est inattaquable sous tous les rapports. Vous vous sauriez, vous en doutez? On écrirait des chroniques parisiennes charmantes en vous faisant bavarder. À propos chroniques parisiennes, il paraît que vous êtes battu en duel la semaine dernière. J'ai échangé 2 balles avec un malotru. 2 balles? Madame, la scène et la mienne, ça fait 2. Oh chérie, si tu savais, quand j'ai lu ça dans les journaux, j'ai eu peur, mais peur. Pas comme tu es brave, je t'adore. Tu m'adores, mais est-ce que tu m'aimes encore un tout petit peu? Comme une folle! Si je te donnais ma clé, tu irais maintenant chez moi? Oui, si je suis certaine de ne pas y faire de mauvaises rencontres. Alors ça, je te promets que non. Tiens. J'y vais. Mais tu sais, si tu me trompes encore une fois, à rien qu'une fois, ce sera fini pour moi. Je ne pourrais pas regarder une autre femme, Clotilde. C'est bon d'être en train de remercier. Tu m'as manqué, tu sais. Vraiment? C'est bon de t'en. Et ce sera encore meilleur tout à l'heure. Va, mon amant père. Tu diras à Madeleine que... Mais oui, à tout de suite. Ne sois pas trop long. C'est pour parler de travail que tu es venu voir Charles. Oh non. Ah bon. En tout cas, si ça te plaît, il est fichu, tu sais. Bon, je vais t'attendre dans ton lit. N'oublie pas.
Ah, bel ami, vous êtes venu, merci. Je vous attendais avec impatience. Je suis si désorientée. C'est gentil d'être venu si vite. Comment est-il ? Oh, pas bien. Pas bien du tout. Il n'en a plus pour longtemps, le docteur. Madeleine ! Oh, le chat ! Ah, t'es venu me voir mourir ? Non, te voir mourir ! Ce ne serait pas un spectacle amusant ! Je suis venu te dire un petit bonjour. Ouais, mets-toi un petit adieu, hein. Donne-moi de l'air, si tu veux. Il se fait tard, le soleil se couche, tu vas prendre froid. Mais je te dis que j'étouffe. Est-ce que ça peut te faire que je meure un jour plus tôt, un jour plus tard? Je suis foutu. Bah, tu dis des bêtises. Ouais, des bêtises, ouais. Je sens que ça me travaille comme si j'avais en moi une bête rongeuse. Chaque pas me rapproche de la mort, chaque mouvement, chaque souffle accélère la sale besogne. Mais tu es vivant, non? Mais j'en verrai encore les couchers de soleil. Vous avez le temps, vous. Moi, c'est fini. Tout ce que je vois me rappelle que je ne le reverrai plus dans quelques jours. C'est horrible. Quoi de neuf au journal ? Ah, rien. Je te remplace. Il est temps que tu reviennes. Moi ? J'irai faire de la chronique 6 pieds sous terre maintenant. Mais tu vois tout en noir, mon vieux Charles. Secoue-toi ! Secoue-toi ? Mais va secouer la mort, toi ! Hein ? Voilà une que tu pourras toujours essayer de séduire, la mort, hein ? Belle amie, tais-toi! Ouais, tu as peur, ouais. Ah, tu sais pas ce que c'est, hein? Moi, je la sens, heure par heure, qui me dégrade comme une maison qui s'écroule. Charles, mon chéri, ne dis pas de choses épouvantables. Ah, belle amie, c'est horrible. Tout ce qui existe, qui va s'anéantir. Les cafés, les boulevards, les femmes. Ah, comme j'aimais tout ça. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Rien, mon chéri, rien de particulier. Le coucher du soleil. Ouais. Combien j'en verrai encore des couchers de soleil? 8, peut-être 10. Vous avez le temps, vous deux. Moi, c'est fini. Maintenant, je vois la mort de tellement près que je pourrais presque étendre les bras pour la repousser, la mort. Voyons, mon vieux, mon vieux. Tu devrais te reposer, Charles. Tu as eu tort de vouloir te lever. Ouais. J'en suis déjà là. Et toi, toi t'es fort, toi. Hein. Toi tu me nargues. Hein. Ne sois pas injuste, Charles. Il faut te recoucher, Charles. Le repos, il n'y a que ça. Hé, hey, repos éternel. Tu as raison, hé. Hey. Les mourants sont indécents hors de leur vie. Mais l'ami va nous aider. Comment va-t-il ? Pas vraiment. Si je savais que ça le fatigue, je repasserai. Ah, ça a toujours été un pessimiste, vous savez. Vous n'avez pas vu le comte de Vaudrec ? Le comte de Vaudrec ? Oui, le comte de Vaudrec. Il était à la soirée du marquis de Cazolles il y a un mois. Un grand maigre à cheveux blancs. Ah, oui. C'est un peu le riche protecteur qui vient à la nuit. Il va avoir à s'occuper de la petite. De qui ? De Madeleine ? Il l'a collé à Forestier, mais si ce pauvre ami casse sa pipe, elle va lui rester à nouveau sur les bras. Ce qui est une façon de parler, car Madeleine est une femme précieuse, mon petit. Très précieuse. Elle connaît tous les secrets d'État, ma parole. Et un joli brin de plume avec ça. Vous n'avez qu'à lire les articles de ce pauvre Forestier pour s'en rendre compte. Ah, sacré Forestier. En voilà un qui meurt sur la pointe des pieds. Je vais lui serrer la main. Ah, attendez une seconde. Mmh. Madeleine le recouche. Ah, bon. Vous connaissez les dernières nouvelles ? Lesquelles ? L'Espagne se fâche à cause du Maroc. Le gouvernement Madeleine. Notre bon Laroche-Mathieu devrait avoir les affaires étrangères. Vous vous occuperez de l'article, hein. Nous allons devenir une feuille officielle. C'est très bon, cela. Le gouvernement est dans le pétrin jusqu'au cou. Ah, dommage que ce pauvre forestier n'assiste pas à notre victoire. Mourir dans un moment pareil, je me demande un peu. Laroche-Mathieu aux affaires étrangères ? Oui, mon bon, grâce à nous. À nous et à la petite forestier, qui a su lui éviter bien des écueils en le conseillant. Car cet homme est un âne. Un âne sachant où aller boire, simplement. Madeleine, conseillère de Laroche ? Eh oui, en
France, ce sont nos petites femmes qui font les grands hommes. Vous vous êtes occupé de l'administration ? Oui, j'ai dit au caissier de payer les 16 000 francs que nous devions au marchand de papier. Mais vous êtes fou ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais parce que nous pouvions obtenir là-dessus une réduction de 4 à 5 000 francs ! Vous êtes jeune, Mélanie. Voyez-vous, dans les affaires, il faut toujours accumuler ses dettes. Pourquoi ? Mais pour pouvoir transiger. Enfin, vous le saurez maintenant. Des bêtises, on en fait à tout âge. Et moi, plus tard qu'hier, j'en ai fait une. Oh, de taille. Vraiment ? J'ai acheté Jésus. Vous avez acheté qui ? Jésus, marchant sur les flots, 500 000 francs. Vous pensez une toile de Markovitch ? Mais qui m'aurait dit que je paierais 500 000 francs une toile, moi qui ai horreur de la peinture ? C'est sans doute un bon placement. Un placement, non, c'est un geste. Un geste pour assurer ma position sociale. Alors, c'est un geste de conquérant. De conquérant ? Ah oui, de conquérant. Ah, l'expression me plaît. Ah, tenez, je vais donner une soirée et convier toute la ville à admirer cette toile. Et sur les cartons d'invitation, je préciserai « Jésus sera éclairé à la lumière électrique oh, !» Bonjour, ma pauvre enfant. Nous parlions précisément de ce pauvre forestier. Alors vrai, on ne va pas. Le médecin ne me laisse plus le moindre espoir. C'est une simple question de jour, d'heure peut-être. Oh, diable. Et nous faire ça au beau milieu d'une crise politique. Diable. Vous devez être bien fatiguée. Oui, mais je suis surtout accablée. Ça va être un gros coup pour vous. Un changement complet dans votre vie. C'est si triste pour une femme de se retrouver seule comme vous allez l'être. Oui, je vais être bien seule. Mais je m'efforcerai d'être courageuse. Ah, ça je n'en doute pas. Mais une femme n'est qu'une femme. Hélas. Aussi forte soit-elle, il lui faut un compagnon. Un homme, même un faible, c'est un tremplin. Vous parlez de Charles ? Écoutez-moi bien, madame. Et comprenez ce que je vais vous dire. Ne vous indignez surtout pas que je vous entretienne d'une pareille chose en un semblable moment. Mais après, il serait peut-être trop tard. Vous m'écoutez ? Je vous écoute. Alors voilà. Je ne suis qu'un pauvre diable sans fortune et dont la position est à faire, vous le savez. Mais j'ai de la volonté, quelque intelligence à ce que je crois. Et je suis en route, en bonne route. Avec un homme arrivé, Madeleine, on sait se comprendre. Avec un homme qui commence... On ne sait pas où il va. Tant pis. Ou tant mieux. Conclusion ? Je vous ai dit le premier jour de mon arrivée chez vous que mon rêve le plus cher aurait été d'épouser une femme comme vous. Je vous répète aujourd'hui ce désir. Ne me répondez pas. Ce n'est pas une demande que je vous adresse. L'instant et le lieu la rendraient odieuse. Je tiens seulement à vous. Ne pas vous laisser ignorer que vous pouvez me rendre heureux. Ne dites pas un mot. Pas un mot maintenant. Mais souvenez-vous de mes paroles d'aujourd'hui. Comprenez-moi bien. Le mariage pour moi n'est pas une chaîne, mais une association. J'entends être libre. Totalement libre de mes actes. Si toutefois j'acceptais, il faudra voir en moi une égale et non pas une épouse obéissante et soumise. Ne me répondez pas, ce serait inutile et inconvenant. Nous reparlerons peut-être de tout cela plus tard. Maintenant, partez. Je retourne près de lui.
Alors, heureuse? Oh, quel drôle de mot! Jamais personne n'a eu l'idée de me poser une telle question. Il est vrai que vous êtes parlementaire, donc habitué aux grandes phrases et aux petits mots qui ne veulent rien dire. En tout cas, le mariage, enfin, le remariage vous va bien. Bah, ce n'est pas le mariage, c'est le travail qui me va bien. Que voulez-vous, mon cher ami? J'ai besoin de faire du journalisme. Et comme je ne suis qu'une femme, je ne puis écrire que par personne interposée. Du roi prend bien la dictée? Oui et non. Il discute. Il a du caractère, je m'en suis rendu compte. C'est ce qu'on dit des gens qui ont un mauvais. Non. Georges est un homme d'action. Il me laisse écrire, mais sur des canevas à lui. Mon journalisme de maintenant ressemble un peu à du point de croix. Adorable brodeuse. Puisque nous parlons de travail, cher nouveau ministre, laissez-moi vous donner un bon, un fructueux conseil. Ma petite Madeleine, quand vous parlez, je regrette de n'avoir que deux oreilles. Eh bien, ne parlez plus de l'expédition au Maroc. Pourquoi? De cette façon, l'emprunt tombera. Et alors? Et alors, vous l'achèterez à bon compte. Et quand vous entreprendrez l'expédition à Tanger, l'État garantira la dette et vous ferez une fortune. Ma bonne amie, vous avez prouvé aux lecteurs de La Vie française que vous étiez une grande journaliste. Vous êtes en train de me prouver que vous êtes également un grand ministre. Fiche-toi que votre idée est donc belle. Comment, par-dessus le marché, trouvez-vous le temps d'être si jolie? Merci. Vous n'obligez pas un ingrat. Bonjour, mon cher ministre. Salut, mon bon. Je suis bien à l'aise de vous voir. Je discutais avec votre femme. Du Maroc? Tout juste. Notre ami trouve que tu es un peu trop affirmatif dans ton article. Vraiment? Madeleine a eu la gentillesse de me le faire lire avant sa publication. Vous n'y voyez pas de mal, j'espère. Du tout. Voyez-vous quelque chose à modifier? Fort peu, cher ami, fort peu. Parlez d'expédition là-bas comme si elle devait avoir lieu, mais en faisant comprendre qu'elle n'aurait pas lieu et que vous n'y croyez pas le moins du monde. Parfaitement. Que les lecteurs lisent bien entre les lignes que nous n'aurons pas à nous fourrer dans cette aventure. J'ai compris. Très bien. Il faut que je me sauve, on m'attend pour une interpellation. Je vous reconduis. Alors, mon ami? Alors quoi? Que voulait-il ce sac à bêtises? Bah, lire ton article, parbleu. Du nouveau? Au journal? Non, rien. Si ce n'est que les bons petits copains continuent à m'appeler Forestier. Ce matin, en ouvrant la porte de mon placard, j'ai trouvé tous les bilboquets que collectionnait cet idiot de Charles, rangés par ordre de taille. Ces salopards avaient placé devant une pancarte ainsi rédigée: Ancienne collection, Forestier Compagnie, successeur Forestier du Roi. Et ça t'amuse? Moi, je commence à trouver ça bête. Et le premier qui se permettra ce genre de plaisanterie aura ma main sur la gueule. Mais laisse donc, ce sont des envieux. Dis donc, Mado. Quoi, mon ami? Charles, tu l'as fait cocu? Bah, voyons, Georges. Je t'ai apporté des roses. Comme c'est gentil d'avoir pensé à ça. Bah, je ne vois que je ne suis pas le seul. Bah, ce sont celles de La Roche. Ça lui va de faire le galant. Pourquoi cette amertume? Il est bien, La Roche. Ce qu'il faut entendre. Mais ma pauvre Mado, c'est un homme politique à plusieurs faces, sans conviction, sans moyens, sans audace, sans connaissance sérieuse. C'est un de ces champignons comme il en pousse des centaines sur le fumier du suffrage universel. En attendant, il est tout de même ministre. Fais-en tant que lui. Il ne sait pas de quoi je suis capable, Madeleine. Non, on ne le sait pas. Mais on l'apprendra peut-être un jour. Allons, ne l'accable pas. Il me disait justement qu'il pensait à toi. Ah ouais, à moi? C'est gentil. Pour la croix. Là. Hé, hey. À mon âge, ça vous donne une certaine allure. Écoute-moi, Georges. J'ai pensé à quelque chose, mais c'est assez difficile à expliquer. Quoi donc? Eh bien voilà, mon chéri, je suis comme toutes les femmes. J'ai mes faiblesses, mes petitesses. J'aime ce qui brille, ce qui sonne. Au diable veux-tu en venir? Est-ce que tu ne pourrais pas t'annoblir un peu? Hein? Ah, toi! Ah, toi alors! Remarque, j'y ai songé souvent, mais ça ne me paraît pas facile.
Et pourquoi donc? Parce que j'ai peur de me rendre ridicule. Mais pas du tout. Pas du tout. Tout le monde le fait, personne n'en rit. Sépare ton nom en deux. Du roi, ça va très bien. On dirait qu'il est fait pour ça. Non, ça ne va pas. C'est un procédé trop simple, trop commun, trop connu. Moi, je vais penser à prendre le nom de mon pays, comme pseudonyme littéraire d'abord, puis l'ajouter peu à peu au mien, et plus tard, à couper mon nom en deux, comme tu le proposais. Ton pays, c'est... Canteleu ? Seine inférieure. Canteleu. Non, je n'aime pas la terminaison. Voyons, est-ce que nous ne pourrions pas modifier un peu ce mot, Canteleu ? Tiens, j'ai trouvé. Madame Duroy de Cantel. Duroy de Cantel. Oui. Oui, c'est excellent, c'est très bon. Duroy de Cantel. Madame Duroy de Cantel. Et tu verras comme c'est facile à faire accepter ça par tout le monde. Mais il faut saisir l'occasion. Dès demain, tu vas signer tes chroniques des de Cantel et tes échos simplement du roi. Ça se fait tous les jours dans la presse. Et personne ne s'étonnera de te voir prendre un pseudonyme. Tu pourrais même laisser entendre discrètement que tu as renoncé au du par modestie. Oui. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Pardonnez-moi, madame. Je manque à tous mes devoirs. Georges Duroy de Cantel. Pour vous servir. Belle amie dans l'intimité. Et vous faites partie de la mienne. Allons, Georges, laisse-moi. Je dois sortir. Maintenant? Je dois aller au chevet de Vaudrey. Il ne va pas mieux? Son domestique est venu me dire qu'il avait été pris d'une troisième attaque. Ah, c'est mauvais, ça. Très mauvais. La troisième attaque, c'est souvent la bonne. Enfin, la mauvaise pour lui. Tu es vraiment très jolie. Dis donc, Mado, sois bien franche, avoue-le. Forestier, tu l'as trompé, dis, hein, tu l'as fait cocu. Tu es odieux, que tu deviens bête avec ta rengaine. Mais oui, c'est, il y en a un qui en avait la tête, c'est bien lui. Eh bien oui, oui, ça m'amuserait de savoir s'il était cocu. Il l'était, dit. Mais tu es stupide. Est-ce qu'on répond à des questions pareilles? Mais bien sûr qu'il l'était, avec sa bonne gueule de chauvard. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai... Je serais bien bête de me faire de la bile. Chacun pour soi. Je commence à comprendre, Madeleine, que l'égoïsme pour l'ambitieux vaut mieux que l'égoïsme pour la fortune et pour la femme et pour l'amour. Toutes les femmes sont des filles. Des filles. Il faut s'en servir et ne rien donner de soi. Chère madame, entrez donc. Georges sera ravi de vous voir. Je vais passer un coup de vent. À vrai dire, c'est surtout vous que je... Eh bien, alors, asseyez-vous et racontez-moi ça. Vous savez que votre président organise un grand assaut dans sa jolie salle d'armes au profit des orphelins du 6e arrondissement. Je sais. Une fois payé le buffet, il restera bien 200 francs pour les orphelins, mais ça lui aura fait de la réclame. Vous y allez, évidemment. Évidemment. Ma fille et moi brûlons d'assister à ce spectacle. Mais mon mari est tellement occupé. Bref, nous n'avons personne pour nous y conduire. Mais moi, madame, je vous y conduirai avec joie. Merci, monsieur Duroy. Pourquoi ne m'appelez-vous pas belle amie? Vous savez que c'est ma fille Suzanne qui vous a trouvé ce charmant surnom. Vraiment? Et j'avoue que si je vous connaissais davantage, je ferais comme elle. Mais je vous en prie, madame, faites-le. Oh non, nous ne sommes pas assez liés. Voulez-vous me laisser espérer que nous le deviendrons davantage? Davantage, monsieur Duroy? Vraiment, je ne comprends pas. Vous me surprenez. Mettons que ce soit une déclaration sur un air gai, pour ne pas vous effrayer. Une déclaration? Cela vous choque? Si je m'attendais. Je m'étais pourtant promis de m'en tenir à des mondanités, mais cela est au-dessus de mes forces. Alors c'est une déclaration sérieuse? Mais oui, très sérieuse. Voilà longtemps que je voulais vous la faire, très longtemps même. Mais je n'osais pas. On vous dit si sévère, si rigide. Voyons, assez d'enfantillage. Parlons d'autre chose. Madame Walter, je vous aime follement et depuis longtemps. Voyons, non, ne répondez pas. Je sais que vous êtes indigné, mais que voulez-vous, je suis fou. Ah, je vous aime, si vous saviez comme je vous aime. Belle amie, je vous en supplie. Belle amie, ça y est, vous l'avez prononcé ce nom.
Ah, je vous aime. Laissez-moi seulement vous le dire, n'ayez pas peur. Je ne vous toucherai pas. Je veux seulement vous répéter mon amour. Oh, vous perdez la tête. À quoi pensez-vous? Permettez-moi d'aller chez vous 5 minutes par jour, m'agenouiller à vos pieds, et vous répéter ces 3 mots. Je vous aime. Oh, c'est de la folie! Je ne peux pas songer à ce qu'on dirait, à mes domestiques, à ma fille, non! Écoutez, il le faut. Coûte que coûte, je vous verrai. Je vous attendrai devant votre porte comme un pauvre, et si vous ne descendez pas, je monterai chez vous. Ne venez pas, je vous le défends. Je ne vous recevrai pas. Alors dites-moi où je vous rencontrerai, n'importe où, à l'heure que vous voudrez. Je suis folle de vous laisser me parler ainsi. Folle de vous permettre de croire que cette aventure peut avoir une suite. Oubliez cela. Ne m'en reparlez jamais. Mais je n'attends rien. Je n'espère rien. Je vous aime. Jamais. Moi aussi, je vous aime. Ah. Est-ce que je devrais vous dire cela? Je me sens coupable et méprisable. Moi qui suis une fille, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas pensé. C'est plus fort que moi. Écoutez, belle amie. Je vous aime. Je n'ai jamais aimé que vous, je vous le jure. Je vous aime en secret. Mais maintenant, oh, j'ai souffert. Allez, j'ai lutté. Je ne peux plus. Laissez-moi partir maintenant. Je souffre trop. Je vous retrouverai demain à 3h au parc Monceau. Non! Non, vous avez raison, il y a trop de monde. Alors à mon ancien appartement que j'ai conservé, rue Bourceau, au Batignolles numéro 13, vous vous rappellerez? Non, je ne veux pas. Vous viendrez. Je vous jure de vous respecter. À demain. Non, je serai demain. À 3h. À l'église de la Trinité. À toutes! Toutes! Ça pourrait me coûter ma situation, cette petite fantaisie. Déjà? Qu'est-ce qui arrive? Audrey est mort? Oui, j'ai rencontré son notaire devant sa porte, comme je m'apprêtais à monter. Je sous-signais. Paul Émile Cyprien Gontran, comte de Vaudrec, saint de corps et d'esprit, exprime ici mes dernières volontés. La mort pouvant nous emporter à tout moment, je veux prendre en prévision de son atteinte la précaution d'écrire mon testament qui sera déposé chez Maître Lamaneur. N'ayant pas d'héritier direct, je lègue toute ma fortune composée de valeurs de bourse pour 600 000 francs et de bienfonds pour 500 000 francs environ à Madame Claire Madeleine Duroy, sans aucune charge ou condition. Je la prie d'accepter ce don d'un ami mort comme preuve d'une affection dévouée, profonde et respectueuse. Tu as été la maîtresse du vieux? Moi? Oh! On ne laisse pas toute sa fortune à une femme sans cœur. Voyons, voyons, Georges, tu es fou. Ouais, c'est ça, je suis fou. En tout cas, il pouvait me laisser quelque chose à moi, son ami, à moi, ton mari, et pas à toi, son ami, à toi, ma femme. La distinction est capitale du point de vue des convenances et de l'opinion publique. Le notaire m'a dit que je ne peux pas accepter cet héritage sans ton consentement. Ah oui? Tu sais, il me semble qu'on aurait trouvé plus étrange un legs de cette importance à toi. Pourquoi ça? Parce que tu es mon mari et mon second mari. Parce que tu ne le connais en somme que depuis peu. Parce que je suis son amie depuis très longtemps, moi. Parce que son premier testament, fait du vivant de Forestier, était déjà en ma faveur. Enfin, pour 1000 raisons. C'est égal. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter cet héritage dans ces conditions. Tout le monde croirait que... Enfin, tout le monde en jaserait, se rirait de moi. Les gros frères sont déjà trop disposés à me jalouser et à m'attaquer. Je dois avoir plus que personne le sens de l'honneur, moi. Tu comprends? Eh bien, mon ami, n'acceptons pas. Ce sera 1 million de moins dans notre poche, voilà tout. Qu'est-ce que tu dis? 1 million? Au nom de Dieu! Tout rond. 1 million! Il était si riche que ça, monsieur le comte? Oh, il n'a pas vu dans quelle situation fausse il me mettait. Tout est affaire de nuances dans la vie. Et si seulement il m'en avait lassé la moitié, ça simplifiait tout.
Je ne vois pas comment les choses pourraient s'arranger, car le testament est formel. Eh bien, c'est bien simple. Fais-moi une donation de la moitié. Nous n'avons pas d'enfants, c'est donc possible. Et cela fermerait la bouche à la malignité publique. Nous dirons que le comte de Vaudrette nous a laissé sa fortune à nous deux. Comme tu voudras. Eh bien, puisque tu es d'accord, ma chérie, je vais aller tout seul chez le notaire pour lui expliquer la situation. Tu comprends ? C'est clair comme le jour. Avec cet arrangement, nous héritons tous les deux d'un ami qui n'a pas voulu faire de différence entre nous deux. Et je suis sûr que si ce pauvre Vaudrette y avait pensé... C'est entendu, j'ai compris. Va ! À tout à l'heure, ma petite Madeleine. Tiens, pour fêter cet héritage, je te ferai une petite surprise, tu veux ? Comme il te plaira. Madame, puisqu'on entre dans la noblesse, Madame la baronne du roi de Cantel. Madeleine, tu commences à comprendre ce dont je suis capable, non ? Oh oui. L'église de la Trinité était presque déserte. Duroy riait en pensant au rendez-vous de Madame Walter. Les églises lui sont bonnes à tous les usages, se disait-il. Elle la console de n'avoir pas épousé un catholique, lui donne une allure comme il faut dans le monde distingué. Et elles sont des centaines comme ça, qui se fichent du bon Dieu comme d'une guigne et qui ne veulent pas qu'on en dise du mal, mais qui le prennent à l'occasion comme entremetteur. Un bruit de robe la fit tressaillir. C'était un prêtre. Oh ! Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Je suis perdue. Que puis-je faire pour vous, mon enfant ? Recevez ma confession et conseillez-moi. Soutenez-moi. Dites-moi ce qu'il faut faire. Il m'attend. Qui est-ce qui vous attend ? Un homme qui va me perdre si vous ne me sauvez pas. Je ne peux plus le fuir. Je suis trop faible. Trop faible. Si faible. Oh. In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Monsieur, je vous prie de me suivre et de ne plus venir seul chez moi. Vous ne seriez point reçu. Adieu. Madame Walter était donc perdue, et sa situation avec. Ses pensées moroses ne durèrent point. Le lendemain, Bellamy recevait une dépêche. J'avais perdu la tête. Pardonnez-moi. Et comment ça pour Bellamy ? Une aventure qui ne tarda pas à regretter. Il faut absolument que je te voie aujourd'hui. C'est très grave. Tu vas. Attends-moi à 2 heures, je peux te rendre un grand service. Ton amie jusqu'à la mort, Virginie Walter. Jusqu'à la mort. Elle me fera mourir d'énervement, en effet. Mais que peut-elle encore me vouloir, celle-là ? De l'amour ? Elle met les bouchées doubles. Et Clotilde qui doit... Tu es là, quelle chance ! C'est tout à fait par hasard que je suis passé. Je suis très pressé. Tu es toujours pressé lorsque nous nous rencontrons. Que veux-tu ? Je fais un métier d'homme pressé. C'est comme ça. Je n'osais pas entrer. Il me semblait que tu parlais. Moi ? Ah oui, je parlais de toi. De moi ? Oui. À qui ? À moi. Je comprends pas, mon chéri. C'est pourtant bien simple. Je venais de lire ta lettre. Alors je la commentais. C'est très utile de se faire la conversation quelquefois. On parle à tant d'imbéciles. Eh bien, tu ne m'embrasses pas. Mais si.
Comme tu sens bon, c'est pour moi. C'est pour tout le monde. Je considère que ça fait partie de la politesse. C'est curieux. J'ai l'impression que tu te détaches de moi. Non. Oh, dis-moi que je me trompe, belle amie. Dis-moi que tu m'aimes. Mais on ne peut pas toujours répéter les mêmes mots, ma chère. Le secret de la réussite, c'est de savoir se renouveler. Tu sais que tu me fais mal. Bien sûr que tu le sais. Et ça te fait plaisir. On dirait que tu cherches à m'humilier. C'est notre différence de condition qui te rend amère. Oui, c'est cela. N'est-ce pas? Tu plaisantes. Dans cette chambre, ce ne sont pas les différences de conditions qui importent, plutôt d'autres différences. Comme tu es cruelle pour moi. Comme tu me parles durement. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne te figures pas comme je souffre de te voir agir ainsi. Voyons, tu ne vas pas recommencer. Si c'était pour me traiter comme cela, il valait mieux me laisser tranquille et heureuse où j'étais autrefois. Quand je pense à tes paroles passionnées, t'en souviens-tu, belle amie? Virginie, je ne peux pas te voir une minute sans entendre ces reproches-là. Mais on dirait vraiment que je t'ai prise de force et que tu t'es ignorante comme un ange. Non, non, ma chère. Tu t'es donnée à moi en plein âge de raison. Je t'en remercie. Je t'en suis absolument reconnaissant, mais tu as un mari et j'ai une femme. C'est seulement maintenant que tu t'en souviens. Nous nous sommes offert un caprice, ni vu ni connu. C'est fini. Oh, Georges. Que tu es infâme, que tu es grossier. Avant de te connaître, je n'avais jamais aimé. Jamais failli. Mais tu parles comme une forêt religieuse. Mais tu as une fille que tu as entre. Et une jolie fille, du reste. Jamais aimé, jamais failli. Mais tu n'es jamais dans les feuilles de ton avis français, c'est mots. Georges, c'est indigne. Mais tu vas pleurer. Alors bonsoir. Si c'est pour cette représentation-là que tu es venue... Non, ça va pas. Je suis venue pour t'apporter une nouvelle. Hein? Une nouvelle politique. Pour te donner le moyen de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Comment ça, que veux-tu dire? J'ai surpris par hasard hier soir une conversation entre mon mari et Laroche-Mathieu. Walter recommandait au ministre de ne pas te mettre dans le secret parce que tu dévoilerais tout. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ils vont s'emparer du Maroc. Ah, allons donc. J'ai vu Laroche-Mathieu l'autre jour qui m'a presque dicté les intentions du cabinet. Non, mon chéri. Ils t'ont trompé. Parce qu'ils ont peur qu'on connaisse leur combine. C'est très fort ce qu'ils ont fait. Très fort. C'est Walter qui a tout mené d'ailleurs. Et il s'y entend. Et on dit vite. Eh bien voilà. L'expédition de Tanger a été décidée entre eux peu de temps après que Laroche ait eu les affaires étrangères. Petit à petit, ils ont racheté tout l'emprunt du Maroc qui était tombé à 64 francs. Ils l'ont racheté très habilement par le truchement d'agents véreux. Ils ont même roulé les Rothschild. Tu te rends compte? Et puis maintenant, on va faire l'expédition. Et dès que nous serons là-bas, l'État français garantira la dette et nos amis auront gagné 50 ou 60 millions. Tu en es sûre? Oui. Ah, c'est très fort, en effet. Ah, ce salaud de Laroche-Mathieu. Où a-t-il été pêché, ni déparé? En voilà un que je repincerai. Sa carcasse de ministre me restera dans les doigts. Il faudrait pourtant profiter de ça. Je peux encore... acheter de l'emprunt, il n'est encore qu'à 72 francs. Oui, mais c'est que je n'ai pas beaucoup d'argent disponible. J'y ai pensé, mon chéri. Et si tu étais bien gentil, si tu m'aimais un peu... Mais tu le sais bien que je t'aime. Eh bien, tu me laisserais t'en prêter. Ah, je n'aime guère ces combinaisons-là. Mais si, je prendrai dans ma caisse personnelle, en somme. C'est de l'argent de mon mari, et il te doit bien ça après tous les services que tu lui as rendus. Ah, ça? Alors laisse-moi t'en prendre pour 100 000 francs. Eh bien, soit. Mais si tu perdais, je te rembourserais. Mais oui, tu me rembourseras, mon bébé. Ah, mon bébé! Ah, mais non, mais ne sois pas grotesque! Pourquoi te mets-tu dans cette colère? Georges, je peux même plus te donner de petits noms. Tu comprends pas. Tu comprends rien. Rien. Mais c'est toi, au contraire, qui ne comprends pas. Oh, c'est atroce, Georges, ce que je souffre. Je t'aime. À n'avoir plus une pensée qui ne soit pour toi. À ne pouvoir plus rien regarder sans évoquer ton visage. À ne plus oser prononcer un mot sans avoir peur de dire ton nom. Voyons, voyons! Mais tais-toi! Il me semble que je suis prise dans les griffes, nouée dans un sac. Je sais pas, je sais plus. Ton souvenir toujours présent me serre la gorge, me déchire quelque chose, là, dans la poitrine. Maud, jusqu'à la force de marcher. Je reste
comme une bête, toute la journée sur une chaise, en pensant à toi. Que veux-tu? L'amour n'est pas éternel. Oh, Charles! On se prend, on se quitte, c'est la vie. La vie? Mais oui, la vie. Mais quand ça dure, ça devient un boulet. Un horrible boulet, voilà la vérité. Et moi, je n'en peux plus. Toi, tu t'acharnes, tu me plies, tu me guettes à la porte du journal, alors je... Charles! Oh, comment t'expliquer? Je suis un homme. Ton attitude m'exaspère. Mon Dieu! Ah, ne pleure pas surtout. Non. Moi, c'est pas un moment où je suis comme une bête. Mais pas une bête triste, mais plutôt une bête puissante, ardente. Écoute, si tu sers à devenir raisonnable, on continuera à se voir. Mon amour. En ami. En ami. Tu ne t'en sens pas capable? Je suis capable de tout pour te voir. Alors c'est convenu, nous sommes amis. Mais amis, rien de plus. C'est convenu. Encore un baiser, mon chéri. Et nos conventions alors? Le dernier. Voyons, sois sage. Georges, je peux même plus t'embrasser. Non, pas aujourd'hui. J'ai un peu de migraine. Veux-tu venir dîner demain à la maison? Quel plaisir tu me ferais. Et à Suzanne aussi. Elle ne parle que de toi. Elle dit que si tu n'étais pas mariée, elle voudrait t'épouser, le crois-tu? Quelle petite folle! T'épouser toi, mon bel ami! Dis, viendras-tu demain? Mais certainement que je viendrai. Il va falloir qu'on se quitte, on m'attend à la chambre. Déjà! Dépêche-toi, je ne veux pas manquer la séance. Embrasse-moi, je t'en supplie. La folie j'ai faite de te céder, je ne le répète pas. C'est si bon d'aimer. File la première comme d'habitude, inutile qu'on nous voit ensemble dans la rue. Au revoir, mon chéri. Oui, dépêche-toi, le temps tourne. Méchant. Oh! Tu prends l'escalier de service maintenant? J'ai tellement peur de faire de mauvaises rencontres. Je compte jusqu'à trois. Si à trois tu ne m'as pas embrassé, tu n'auras pas les bonbons qui sont dans ma poche. Un, deux. J'ai gagné. Dans quelle page les bonbons? Devine. Chic. Des bêtises. Elles sont délicieuses. Comme toutes les bêtises du reste. Je sens que je n'en laisserai pas une seule. Tu ne sais pas, mon chéri. J'ai rêvé de toi. Oh. J'ai rêvé que nous faisions un grand voyage, tous les deux. Laisse-moi te déshabiller. C'est pas l'idée. Paresseux. Tiens, un cheveu de Madeleine. En voilà un mari fidèle. Ah non, ce n'est pas de Madeleine. Tu as couché avec une autre femme. Mais non, que tu voyons que tu es folle. Elle t'aime, celle-là. Elle a voulu te faire remporter quelque chose d'elle. Mais c'est une vieille. Un cheveu blanc. Alors tu prends les vieilles maintenant. Elle te paye, dis. Hein, elle te paye. Mais Clotilde, mais tu es stupide, je ne sais pas ce que c'est. Tu n'as plus besoin de moi alors. Eh ben, garde-la. Garde-la, fais-toi faire une bague avec ses cheveux. Avec ses cheveux blancs. Oh, mais Clotilde. Allez, garce! Ici, je suis chez moi, madame! Mais justement, je vous trouve presque dévêtu dans la chambre conjugale avec un homme qui n'est point votre mari! Vous avez fait? Qui êtes-vous? Je suis la commissaire de police et je vous ordonne de me donner votre nom. Mais répondez donc, ma biche, ou je vais vous nommer, moi. Madame la commissaire, vous ne devez pas me laisser insulter par cet individu. Est-ce à vous ou à lui que je dois répondre? Est-ce à vous ou à lui? À moi. À moi, monsieur, à moi seul. Et je vous demande qui vous êtes. Ah, vous ne voulez pas répondre.
Alors je serai dans l'obligation de vous arrêter. Vous faites souvent ce métier-là, madame? Le moins souvent possible, madame. Je vous en félicite, il n'est pas propre. En voilà assez. Je me vois forcé de vous arrêter, cette fois. Ne me touchez pas, je suis inviolable. Inviolable? Il y a flagrant délit. Je peux vous faire arrêter, moi, si je veux. Cet homme se nomme Laroche-Mathieu, ministre des Affaires étrangères. Pas possible. Pour une fois, cet individu n'a pas menti. Je suis en effet Laroche-Mathieu, ministre. Gredin, salaud! C'est monsieur Rome, vous oubliez! Vous manquez un peu de dignité. Monsieur le ministre, je dois faire mon devoir. Je vous ai surpris avec madame du roi que voici, vous à peu près dévêtue, elle, jusqu'à moitié. Vous ne pouvez nier les faits. Ceci constitue un flagrant délit d'adultère. Qu'avez-vous à répondre? Je n'ai rien à dire, faites votre devoir. Avouez-vous, madame, que ce monsieur soit votre amant? Je ne le nie pas, il est mon amant. Très bien, très bien. Allez vous habiller tous les deux. Ah, monsieur, je suis navré. Pas moi, commissaire. Pas moi, bien au contraire. Ah. Tiens, Laroche-Mathieu avait pensé à toi. Ce sera ton petit Noël. Mais compliment, monsieur. Salon. Que se passe-t-il? On rentre chez vous comme dans un moulin. J'allais partir à la campagne lorsque j'ai reçu votre télégramme me demandant de passer ici d'urgence. Rien de cassé, j'espère. Ah. Si c'est pour m'annoncer que vous l'êtes, je le savais déjà. Hein? Par l'officiel, parbleu. Prosper Georges Duroy, en deux mots, s'il vous plaît. Nommé au grade de chevalier de la Légion d'honneur pour service exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai demandé de passer, patron. Je veux que vous soyez le tout premier en France à connaître une nouvelle. Une nouvelle? Qui vous intéresse. Je viens de foutre en l'air le ministère des Affaires étrangères. Comment? Parfaitement. Moi, du roi, moi tout seul. Je vais faire changer le cabinet. Voyons, mais vous déraisonnez, c'est de Laroche-Mathieu dont vous parlez. Parfaitement. Je viens de me surprendre en flagrant délit d'adultère avec ma femme. La commissaire de police ici présente a constaté la chose. C'est exact. Le ministère est foutu. Laroche-Mathieu, vous ne vous moquez pas de moi? Pas du tout. Madame pourra vous le dire. Je vais faire un écho là-dessus et du même coup détrôner ce vendu, ce malfaiteur public. Mais et votre femme? Qu'il la garde. Ce sera son lot de consolation. Ma demande en divorce sera faite dès demain. Vous voulez divorcer? J'étais ridicule, et je le sais. Mais il me fallait faire la bête pour les surprendre. Eh bien voilà, je suis le maître de la situation. Ah ben voilà, un gaillard, un drôle de gaillard, hein? Allez-y doucement, du roi. Me voici libre, assez riche. Décoré. Décoré. Je me présenterai aux élections d'octobre dans mon pays où je suis fort connu. Je ne suis pas un forestier, moi. C'est lui qui était cocu. Et maintenant, débarrassé de la teigne qu'il m'avait laissée, j'irai loin. Ouais, ouais, vous irez loin. J'en ai jamais douté. Seulement, nous vivons une époque pas comme les autres, mon petit. La France a besoin de se remettre de la dernière guerre. Et puis, l'Afrique du Nord nous donne bien des soucis. Laroche-Mathieu n'est pas Jeanne d'Arc. Et si c'est pour l'emprunt marocain que vous vous tourmentez, un autre le fera garantir. Ah! Vous? Oui, je... L'expédition est commencée. Et on s'entend toujours avec un ministre lorsqu'on a à sa disposition un journal et de l'argent. Vous? Mais vous n'êtes pas idiot! Maintenant, si vous voulez leur présenter vos condoléances, je pense qu'ils sont dans une tenue décente à présent. Comment? Ils sont toujours là? Mais qu'est-ce qu'ils font? Monsieur Walter, rappelez-vous que Laroche-Mathieu est un homme à la mer. La vie française n'a plus aucun intérêt à le ménager. Allez faire votre article. Tant pis pour ceux qui se fichent dans ces pétrins-là. Quand on est ministre, on fait l'amour chez soi. Et voilà. Et tant pis pour ceux qui se mettent au travers de mon chemin. Vous avez une seconde, madame la commissaire? Bien sûr. Vous nous excusez, belle amie. Vous savez, deux de plus ou de moins dans cette chambre, au point où en sont les choses. Suzanne, par exemple. J'attendais papa dans la voiture, mais j'ai eu envie de vous dire bonjour. Où est donc mon père? Il assiste un portefeuille à l'agonie. Que dites-vous? Belle amie, que se passe-t-il? Tout semble aussi bizarre ici. Rassurez-vous, ma petite Suzanne, tout va extraordinairement bien, au contraire. Votre mère n'est pas avec vous? Oh, maman ne sort presque plus, elle passe son temps à pleurer. Pas possible. Si,
et à prier devant le fameux tableau de Jésus. Ah oui. Même l'autre jour. L'autre jour? Eh bien, elle m'a grondé. Mais c'est horrible. Pourquoi? Parce que je trouvais que Jésus avait beaux yeux. Vous n'y répéterez pas? Sûrement pas. Votre mère doit être souffrante. Elle assure que non. Elle m'a dit qu'elle portait le deuil de sa vie. Il y en a à qui ça fait mal. Belle amie, je sens bien qu'il se passe quelque chose. Déjà ce flair féminin. Eh bien oui, Suzanne, il se passe quelque chose. Lesquels? Une sorte de grand nettoyage. Ce serait trop long à vous expliquer. Oh, dites-le moi, je ne suis plus un bébé, vous savez. Non, vous n'en êtes plus un. Et quand les jeunes filles ne sont plus des bébés, vous savez ce que font leurs parents? Non. Ils les marient. Oh oui, ça je le savais. C'est une question que votre père a déjà dû aborder. Hein. En ce moment, il ne me parle plus que de ça. On dirait que je l'embarrasse. Il va vous trouver quelques beaux princes un peu ruinés. Nous ne nous verrons plus guère. Oh, ne dites pas ça, belle amie. Je ne veux pas me marier. Ou alors il faudra que ce soit avec quelqu'un qui me plaise vraiment, qui me plaise beaucoup. Quelqu'un de riche? Oh, je suis riche pour deux. Quelqu'un de... titré, en tout cas. Oh, ça, c'est le rêve de papa. Il vous a trouvé un prétendant? Oui. Qui? Devinez. Oh, ce n'est pas bien de me faire des cachotteries, Suzanne. Oh, le marquis de Cazolle. Ce grand fat. Il n'est pas fat. Non, il est stupide. Usé par la noce, ruiné par le jeu. Beau parti pour vous. Si joli, si franc. Mais qu'avez-vous contre lui? Moi, rien. Ben si, vous semblez en colère. C'est un intrigant! Ses yeux, voyons, belle amie, mais qu'avez-vous? J'ai que je suis jaloux de lui, voilà. Vous? Oui, moi. Ah oh, tiens, et pourquoi ça? Avec ça que vous ne le savez pas. Méchant. Suzanne, comment me trouvez-vous? Très intelligent. Et fort? Terriblement fort. Et quoi d'autre, Suzanne? Oh, je n'ose pas, Soyez franche. Je n'ose pas, ça ne serait pas convenable. Oh, et puis si, tant pis. Je me trouve beau. Très beau. Oui. Et je ne suis plus tout jeune, vous savez. Oui, je sais. Non. Écoutez-moi bien, petite fille. Vous m'aimez beaucoup, n'est-ce pas? Vous le savez bien, belle amie. Oui, moi aussi, moi aussi. Et dans quelques mois, je serai libre. Libre? Comment ça, libre? Libre de pouvoir me remarier. La liberté d'un homme ne va jamais plus loin, même celle d'un homme intelligent et fort. C'est le portrait que vous faites de moi, n'est-ce pas? Oui. Qui est cette personne? C'est la commissaire. Bon, venez, je vais tout vous expliquer. J'ai besoin de prendre un peu l'air pur. C'est tout? Oui, c'est tout, monsieur le ministre. Croyez que je suis lavé, hein? C'est la première fois que vous prenez un ministre en flagrant délit d'adultère? Oh, oui, eh bien, j'espère que ce sera la dernière. Si les ministères sont renversés, la République n'en a plus pour longtemps. Mes salutations, madame la commissaire. Quand vous y allez, Walter, le ministère n'est pas encore tombé. En tout cas, le roi s'en occupe. Et quand ce gaillard s'occupe de quelque chose... Vous ne laisserez pas agir ce voyou, j'espère. Mon cher, un voyou est toujours le plus fort lorsqu'il a la loi de son côté. Le misérable, il m'a bien eu et il vous aura aussi si vous ne le chassez pas. Voilà, pour avoir le père Walter, il faut se lever de bonne heure. J'ai la tête solide, moi, à Montmont-la-Roche. Dieu merci, et les pieds sur terre. Non, mais je vous demande un peu. Ministre et trousseur de cotillons, à votre âge. À mon âge, l'amour n'a pas d'âge. L'amour, ne me faites pas rire, la Roche. L'amour, c'est bon pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Dans la vie, on fait son chemin ou on fait l'amour. Il y a les circonstances. Oh, les circonstances, je les connais. J'en vends, mon brave ministre. Enfin, je compte sur vous pour étouffer ces fâcheuses histoires. Eh bien, n'y comptez pas trop. On étouffe la voix de la conscience, ça oui, et à bon compte, mais pas celle de la vengeance, la Roche. Ce petit du roi est un malin, il préparait son coup depuis longtemps. Mais voyons, qui dirige la vie française, est-ce lui ou vous? Il nous tient avec l'expédition à Tanger. Comment l'expédition, il sait donc? Mais tout! Je me demande du reste qui a bien pu le mettre au courant. Un secret d'État. Qui dit secret d'État dit secret d'alcôve. Dans ses pattes, c'est une arme sérieuse. Il faut faire quelque chose. Ah oui, il faut faire quelque chose ou il faut laisser faire. Mais parce que c'est impossible. Attendons qu'il nous montre si cet impossible-là est français ou pas. Non mais si vous l'aviez entendu, il n'est pas trop tôt de chasser cette charogne, ce malfaiteur public. C'est de vous dont il parlait. La Roche, je ne vous croyais pas bouc à ce point. Faites taire. Mais ministre, votre portefeuille vous sert d'enrayer. Ne m'accablez pas! Oh, je ne vous accable pas. Je vous laisse à vos ébats, au contraire.
Vous avez une façon de vous emparer du Maroc, vous alors. C'est vous, Suzanne? Oui, c'est moi. Ah, c'est vous. Suzanne, vous voilà. Vous êtes venue. C'est donc que vous m'aimez? Je vous adore, je vous aime à en perdre la tête. Oh, moi aussi, belle amie. Vous ici, cela me paraît tellement incroyable, tellement fabuleux. Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça a été terrible, chez maman surtout. Pauvre madame Walter, je la vois d'ici, racontez-moi ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis entrée chez elle et je lui ai raconté ma petite histoire que j'avais bien préparée. Je lui ai dit que je vous aimais et que je n'épouserais jamais aucun autre homme que vous. Et? Elle a pâli. C'est compréhensible. J'ai cru qu'elle allait tomber, j'ai eu peur. Elle a crié, jamais, jamais. D'abord j'ai pleuré et puis je me suis fâchée. Fâchée? Elle a manqué me battre, elle est devenue comme folle, si vous saviez. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Moi je la vois d'ici. Et puis? Et puis papa est arrivé. Ah oui papa. Et qu'a-t-il dit papa? Il ne s'est pas fâché autant qu'elle, mais il a déclaré que... Que je n'étais pas un assez beau parti pour la fille d'un homme dont la fortune se monte à plusieurs dizaines de millions depuis le coup du Maroc. Il a dit quelque chose comme ça, en effet, mais il n'a pas parlé du Maroc. Ensuite, il m'a ordonné de sortir avec un air dramatique. Ça lui allait pas du tout. C'est ce qui m'a décidé à me sauver avec vous, comme vous me l'aviez demandé. Cher amour. C'est une grande folie, n'est-ce pas? Oui. La plus grande des folies? Oui, la plus grande. Mais auras-tu assez de courage pour braver encore tes parents? Je vous le jure. Cher amour. Ça m'amuserait tant d'être votre femme. Mais il faudrait que vous m'emmeniez loin, très loin. Si loin que ça? Oh oui. Et vous me rendrez heureuse, n'est-ce pas? Oui, très heureuse. Vous m'emmènerez à la campagne. Mais oui, mon ange. Si mes parents se sont aperçus de mon départ, ils vont me chercher partout. Ah oui, en effet, sûrement. Ils vont venir ici. Bah, ils sont même en retard. Oh, belle amie, qu'allons-nous faire? Écoutez-moi, petite fille, les enlèvements romantiques, c'est fait seulement pour les livres des jeunes filles. Alors j'ai retenu une chambre chez une dame. Au mot que croyez que vous alliez m'emmener faire un voyage en chemin de fer en Normandie. Plus tard, vous n'y resterez qu'un jour, deux peut-être. Pendant que j'arrangerai cela avec votre père. Venez, je vais vous y conduire. Belle amie, est-ce que... Mais oui, petite fille, je vous aime. Est-ce que je commettrais une pareille folie autrement? Venez, le temps presse. Ah, les voilà. Oh, Dieu, que c'est haut. Personne. Ce n'est peut-être pas là. Oh, si. Comment le sais-tu? Mais la concierge nous a bien dit au troisième. La porte est ouverte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah ben, cela veut dire que l'oiseau n'est pas loin et qu'il va revenir. Attendons-le. Ah, c'est d'un goût. Quand je pense que tout cela est de ta faute. De ma faute? Eh oui, parbleu. Tu l'as tiré sans cesse, tu le flattais, tu le cajolais. Tu n'avais pas assez de chatterie pour lui. C'était belle amie par-ci, belle amie par-là, du matin au soir. Eh, te voilà payé. Moi, je la tirais. Eh oui, toi, vous êtes toute folle de lui. La Marelle, Suzanne et les autres. Crois-tu que je ne voyais pas que tu ne pouvais pas rester deux jours sans l'inviter, ce coureur de dot, Je ne vous permettrai pas de me parler ainsi. Vous oubliez que je n'ai pas été élevée comme vous, dans une boutique. Nous se sèvres en minoterie, nom de Dieu! Vous oubliez que ce garçon tient Suzanne et que nous sommes perdus. Comment? Perdus? Eh oui, il faut bien qu'il l'épouse maintenant. Lui, jamais! Tu es en fou! Ça ne sert à rien de hurler! Il l'a enlevé et il l'a déshonoré. Et toi, c'est impossible. Impossible? Rien n'est impossible à cet arriviste. Le mieux est encore de la lui donner. En s'y prenant bien, personne ne saura cette aventure. Je me moque, que les gens sachent. Ah mais moi je suis un homme public, ne l'oublie pas. Je tire à 20 000. Jamais il n'aura Suzanne. Suzanne, ma fille. Jamais. Mais tonnerre, il l'a, c'est fait. Et il la gardera tant que nous n'aurons pas cédé. Donc le mieux, pour éviter le scandale, c'est de céder tout de suite. Non. Jamais je ne consentirai.
Il n'y a pas à discuter, il le faut, il le faut. Ah, la crapule, comme il nous a joué. Il est fort tout de même, hein. Vous auriez pu trouver beaucoup mieux comme position, mais pas comme situation et comme avenir. Jamais je ne lui laisserai Suzanne. Tu entends? Lui. Lui et Suzanne. Non! Non! Tu es stupide comme toutes les femmes. Vous n'agissez jamais que par passion. Vous ne savez pas vous plier aux circonstances. Mais oui, vous êtes stupide. Moi, je te dis qu'il l'épousera, il le faut. Dans ma situation, je ne peux pas m'offrir le luxe d'un scandale. Non! Suzanne et lui, je les vois dans cette chambre. C'est abominable. Abominable, mais tais-toi donc, ils sont jeunes. Peut-être ne le regretterons-nous pas. Avec les êtres de cette trempe-là. Non mais, tu as vu comme il a démoli ce nid de la Roche-Mathieu en trois articles? Et comme il a fait ça avec dignité? Ce qui était rudement difficile dans sa situation de mari trompé. Tout faire avec dignité. C'est ma force, monsieur Walter. Ah, vous voilà, monsieur l'arriviste. Ma fille! Où est ma fille? Rendez-moi ma fille! Vous ne pensez pas, mon cher patron, que nous aurions intérêt à rester entre hommes? Il a raison. Va m'attendre en bas dans la voiture. Tu n'es qu'un affreux boutiquier, prêt à toutes les compromissions, prêt à tout marchander, même ma vie! Mais tu ne crois pas que la situation est assez compliquée comme ça, toi? Ok, mais pas du tout. J'aime votre fille et elle-même. Rien de plus simple. Vous mentez. Suzanne ne vous aime pas. Vous, vous ne méritez pas de vivre. Tais-toi. Vous lui demanderez si je mens. Elle est venue à moi en pleine liberté pour me dire je serai votre femme. Je m'autorise donc de ce fait pour la garder. Ah oui. La cacher même. Ah oui. En attendant votre volonté légale qui, à mes yeux, a moins de prix que la volonté de ma fiancée. Oh, oh, tu entends ça? Non mais vous êtes un admirable coquin. Mais tuez-le. Tuez-le, non. Ma fille. Ma fille à cet homme. Dois l'avoir morte. Plutôt les droguer de mes mains. Je crois qu'il faudrait emmener madame Walter. C'est le choc. Beaucoup de mamans ont ces réactions-là. Oui, oui. Viens, lève-toi, ne sois pas ridicule. Viens. Jamais, entendez-vous, jamais. Monsieur Walter, je vous signale que je n'étais pas marié à l'église avec la veuve Forestier. On peut donc voir les choses en grand. Ah, bon. L'église de la Madeleine, n'est-ce pas? Je pense qu'un évêque serait tout indiqué. Mais comment serait-il que vous ne soyez pas passé par l'église avec la veuve Forestier? Moi, c'était par indifférence, et elle par économie. Maintenant, il y a assez de cadavres enterrés au Maroc pour qu'on puisse envisager les grandes ordres, les généraux, le bon Dieu. Je voudrais mourir. Ne dis pas de bêtises. Avez-vous remarqué que l'église de la Madeleine est juste en face du palais Bourbon? Dans 3 mois, je serai député. Ma campagne est très bien amorcée. Je sais, mon cher. Je sais. Vous serez même ministre. Ministre. Vous êtes l'être le plus vil que je connaisse. Il n'y a jamais moyen de parler sérieusement devant les femmes. Aller contre les coups de bourse, les procédés, cavaliers. Et puis, ça attriste toujours une femme de devenir belle-mère. À ce soir, crapule. Bonjour, maîtresse de ma vie. Que se passe-t-il? En bas, j'ai failli casser le nez sur les Walter. Elle pleurait, lui gesticulait. L'un et l'autre sont faits pour ça. Ils sortaient d'ici? Ne mens pas. Oui, ils sortaient d'ici. Regarde-moi. Eh bien quoi? C'est au sujet de leur fille, cette visite, n'est-ce pas? Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Si, je le sais, je le savais. Tu vas épouser Suzanne, c'est ça, hein? Voilà 3 mois que tu me cajoles pour me cacher ça. Tout le monde prévoyait la chose, excepté moi. Et sais-tu qui me l'a appris? Mon mari. C'est un homme très perspicace. Alors tu ne nies pas. Mais puisque tu me défends de mentir. Tu es odieux. Allons, bon. Depuis que tu as quitté ta femme, tu préparais ce coup-là et tu me gardais gentiment comme maîtresse pour faire l'intérim. Mais tu compliques tout à plaisir. J'avais une femme qui me trompait, j'ai obtenu le divorce. J'en épouse une autre, rien de plus simple. J'aurais dû m'en douter depuis le début, mais je ne pouvais pas croire que tu serais voyou à ce point. Ah, fais attention au mot que tu emploies, Clotilde. Quoi? Tu veux que je prenne des gants pour te parler, maintenant? Tu trompes tout le monde, tu exploites tout le monde.
Et tu veux que je te traite en honnête homme? Tais-toi, tais-toi ou je te fais sortir! Toi, tu me ferais sortir d'ici. Tu n'es qu'un vaurien, un coureur de femmes, un coureur d'héritage, un coureur de dot. Mais c'est ta faute aussi! Oui, c'est de ma faute, mon chéri. Bellamy, je t'aime. Je t'aimerai toute la vie. Dis-moi que tu m'aimes et que les autres, toutes les autres... Non, mais toi, ce n'est pas pareil. Pardon, je ne suis pas un voyou, tu sais. Je sais, mon amour, je sais. Que veux-tu? J'ai eu faim autrefois. Faim de plaisir, d'argent, de luxe, faim de gloire. Et maintenant, j'ai faim de tout. Mais ça va se calmer, tu verras. Parce que maintenant, j'ai gagné. Comme tes yeux brillent à cause de ta dernière conquête. Oui, c'est cela. Ma dernière conquête. Et la plus belle des conquêtes. Suzanne? Oh non. Paris. Je déteste les églises, sauf la Madeleine, parce que d'ici, on voit directement la Chambre des députés, en ligne droite. Il n'y a que des gens chics et célèbres. Qu'est-ce qu'ils dépensent comme argent? Pour certains, cet argent coûte cher. Il coûte moins cher aux riches qu'aux pauvres. Tu as de l'argent, alors tu ne sais pas. Crois-tu? On n'oublie jamais quand on a été pauvre. Tu as été pauvre, toi? Pauvre et seule. J'en ai réchappé parce que j'étais forte et pas trop sotte. L'avenir est au malin. Je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait écrire sur Duroy. Tout ce que je sais, c'est toi qui me l'apprends. On publiera bientôt des articles signés Jean Ledol. J'ai bon espoir. Tu verras bientôt ton nom imprimé. Fais-moi confiance. Tant mieux pour lui. Sa vie est faite. Adieu, belle amie. Belle amie? Tu ne savais pas? C'est ainsi que l'on appelait le baron du roi de Cantel. Belle amie. Maintenant revenait en arrière, et devant ses yeux, éblouis par l'éclatant soleil, flottait l'image de Madame de Marelle et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang
le désir brusque de la rencontre. Elle était jolie, élégante. Georges pensait, quelle charmante maîtresse.